ça pour savoir quoi faire quand je suis en congé. Il faut absolument trouver une idée. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, donc? Oh! On pourrait jouer aux cartes? Je connais presque pas de jeu. Ah, mais c'est pas grave. Moi, j'en connais un, puis il est très, très facile à apprendre. Ah ouais? Ça s'appelle la ramasse. Connais-tu ça? La quoi? Ah! Parfait! Tu connais pas ça. La ramasse, c'est un drôle de nom. C'est pas seulement un drôle de nom, c'est un drôle de jeu. C'est quoi? Bon, t'es sûr là, que tu veux jouer. Oui, oui, c'est quoi? Ah oui! Yeah! Mais là! Ben, ça s'appelle la ramasse. T'as voulu jouer? Eh bien, ramasse! Oh, vraiment? Génial, hein, mon jeu? Tu te penses drôle, hein? Moi, au moins, je me force pour trouver des idées. On peut pas en dire autant de tout le monde. Oh, moi aussi, j'en connais un jeu. Oui? Oui. La main chaude, connais-tu ça? La quoi? Parfait, tu connais pas ça. Bon, tu vas voir, c'est un jeu qui s'apprend très, très vite. Ah oui? Mets ta main en dessous de la mienne, ici. Comme ça? Oui. Ah! tu comprends maintenant pourquoi ça s'appelle la main chaude? La ramasse, au moins, ça fait pas mal. Oh, j'ai même pas frappé fort, une petite tape de rien. Tu joueras avec mon père, tu vas voir qui va avoir la main chaude. Oh, t'essaieras de jouer à la ramasse avec ma mère. Tu vas voir qui va ramasser. Oh, je l'ai! Qu'est-ce que t'as? On va jouer à l'école. Toi, tu vas être un petit garçon qui a pas fait ses devoirs, puis moi, je vais être la maîtresse. Hey, d'abord, je suis pas un petit garçon. Puis, deuxièmement, j'aime pas ça de jouer à l'école les jours de congé. Hein? Ou ça, concombre. C'était une idée comme ça. Quant à faire, je préférerais compter les mouches au plafond. Ah, oh, ça, c'est génial! C'est ça qu'on fait! Wow. Et ça, c'est excitant, hein? Ah oui, c'est surtout très excitant quand il n'y a pas de mouche. On se gratte! Pourquoi pas? Oui! On est nono, hein? On n'est pas nono. On s'ennuie. Je l'ai! On devrait faire une expédition. Où ça? Ben, on pourrait faire le tour du quartier. Ah oui! On y va! Eh bien, attends! Faut se préparer. Je pourrais dessiner une carte comme les pirates, là. Ah oui? Et puis, on pourrait amener un lunch, on pourrait se prendre des provisions, on pourrait... Oui! Oh, oui. Un pique-nique! Ah, ça va être super! Hey! Il est super, le chapeau de ton oncle! Je vais l'apporter, puis des fois, je vais te le passer! Oh, wow! Hey, je vais prendre ma gourde, mes gamelles, ma boussole, des verres en plastique... Oh! Génial! Ça va être super! Qu'est-ce qui t'arrive encore? Oh, t'es trop jeune pour comprendre. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, ton frère? Oh, rien de spécial. Il est tombé sur la tête comme d'habitude. Je peux tomber sur la tête. Je suis tombé en amour. Coup de foudre, c'était là. Coup de foudre en plein dans le cœur. L'amour, l'amour. Ah oui, avec toujours. En plein dans le cœur. Ça, ça me fait peur. Il est comique, ton frère. Ça dépend des jours. À propos, c'était là. Tu sais, Catou, au club, l'as-tu déjà vu avec un gars? Ah oui, moi, je l'ai déjà vu souvent, souvent. Ah oui, avec oui. Un gars. Avec un grand blond, là, avec les yeux verts. Oui. Ah oui. Il ressemble au beau gars, là, tu sais, le chanteur, là, qu'on a vu dans la vidéo hier. Oh non. On se connaît presque pas et c'est déjà fini entre nous deux. Mais non, je te niaise. Le grand blond, c'est son frère. Ah. Fiu. T'es mon amour, ma belle Catou. Comment? Je te vois partout. T'es tout au fond. Hey, attention, on va. Bon, qu'est-ce qu'on disait, là? Ah, on parlait de notre expédition. Ah, oui, viens pas. Allume, allume. Oui. Bon, les assiettes. Les assiettes. Les fourchettes. Les fourchettes. Première chose à faire, c'est le lunch. Oui. Oh, oh.
Il reste plus grand-chose dans le réfrigérateur. Les temps sont durs, comme dit mon père. Mmh, c'est pas grave, ça. Je vais faire un super sandwich comme t'en as jamais vu. Wow! Un super sandwich? Qu'est-ce que tu vas mettre dedans? Plein de choses. Tu vas voir, ça va être très, très bon. Mmh, avec du beurre d'arachide. Oui, mais pas juste ça. Bon, mais pendant que tu prépares le sandwich, moi, je vais m'occuper du dessert. Ah oui? Qu'est-ce que ça va être? Mmh. Deux petits gâteaux pleine lune que je vais acheter au dépanneur. Oh oui! Et ça, j'ai jamais le droit d'en manger. Ma mère dit que c'est pas bon. En tout cas, là, t'as eu vraiment une très, très bonne idée. Oh, on part en expédition! Hein? J'ai demandé au téléphone. Wow! Un téléphone pour moi? Bon, oui? Je vais préparer le lunch. À tantôt! À tantôt, Robin! Bon, on goûte. Ben oui, ça, c'est sûr. Ah, je vais mettre de la limonade dedans. Bon, enfin terminé. Oh, je pensais que j'en finirais jamais. Je trouve que ton père et toi, vous collaborez pas beaucoup au rangement de la cuisine. Est-ce que tu m'entends, Robin? Oh, oui. Qu'est-ce que tu cherches, là? Il y en a plus de limonade. Si c'était toi qui l'avais rangée, tu saurais où elle est. Ah, ça va, j'allais. Bon, garde-moi ça. Ça, c'est bien ton père. Combien de fois je lui ai dit de mettre les verres à l'envers? Mais non. Ce que je dis, on dirait que ça lui rentre par une oreille puis ça lui ressort par l'autre. Tu remarqueras, Robin, la prochaine fois que je vais dire à ton père que les verres, faut les mettre à l'envers, sinon on se ramasse la poussière, tu vas voir, ma phrase va lui rentrer par une oreille puis va ressortir directement par l'autre. Non. Bon. Il a placé les bols à l'envers. Les bols à soupe, c'est à l'endroit. Ce sont les verres qui vont à l'envers. Et puis pas à la place des tasses. Oh, des fois, je me demande ce qui arriverait si je le laissais faire, lui. Ben, on mangerait dans de la vaisselle en carton, hein? Bon. Tu fais attention de ne pas faire de dégâts, hein? Je veux retrouver la cuisine telle qu'elle est, hein? Mmh, inquiète-toi pas, maman, inquiète-toi pas. Robin, qu'est-ce que j'entends là? C'est rien, maman. Qui croirait que j'ai trouvé ce masque-là une nuit de pleine lune dans les hautes plaines du Bénin? Oh. Et puis, pour bien le conserver, mon ami Azimu m'a dit « Beaucoup la baba, ça t'a boué. » Ce qui veut dire, comme tout le monde le sait, la meilleure façon de conserver un masque africain est de le recouvrir de cire d'abeille et de bien le polir avec un linge. Hey, l'ours! Un peu moins fort, le tam-tam. Hein? Merci beaucoup. Non, je comprends que tu veux me montrer que tu te souviens de cette belle nuit de musique chez notre ami Azimu. Hey, moi aussi. Ah, quelle nuit! Oh, je t'en prie, ours, moins fort, sinon les oreilles vont me tomber. Merci, mon cher ours. Oui. Bon, l'étage banane cornichon est terminé. Maintenant, miel et fromage. Robin, veux-tu bien me dire ce que tu fais là? C'est que, vraiment, j'ai tellement faim, là, tu peux pas savoir comment. Des fois, je me demande où t'as la tête. Une chance que je suis arrivée, parce que sinon, t'aurais vidé tout ce qu'il y a dans la cuisine. C'est que j'ai fait un super sandwich gratte-ciel. Robin, penses-tu sérieusement que tu vas être capable de manger tout ça? C'est du gaspillage! Ben, je serai pas toute seule pour manger ça. Ah, c'est ça! Ah, je m'en doutais aussi. C'est encore la petite Stella là, qui t'a demandé de faire ça. Et puis toi, t'as encore accepté de faire ces quatre volontés. Mais là, ça marchera pas. Si tu penses qu'on va commencer à nourrir tout le voisinage... Mais pour qui tu nous prends? On n'est pas des millionnaires! C'est pas Stella qui me l'a demandé, c'est moi qui ai trouvé l'idée... Pour l'expédition. Ah, parce qu'en plus, vous partez en expédition. Comme ça. Sans rien dire. Mais je voulais justement te demander la permission. On n'ira pas loin. Veux-tu voir mon plan? Robin, pourquoi tu joues pas avec des petits garçons de ton âge? Parce qu'il reste trop loin. Maman, tu veux même pas que je traverse le boulevard? Robin Brizard! Fais pas ton fin finot, là, hein? Robin... Tu t'aperçois pas que Stella te mène par le bout du nez. Mais non, je te l'ai dit, c'est moi qui ai eu l'idée. Puis, Stella aussi va apporter des choses, c'est elle qui va apporter le dessert. Un sandwich gratte-ciel, ça n'a pas de bon sens. Je trouve que t'as des drôles d'idées depuis que tu joues avec cette petite fille-là. Puis,
Naturellement, t'as pris toutes les bananes. Il restait seulement deux. Mais justement, t'aurais dû penser à nous autres avant de penser à Stella, là. Mais Stella, c'est mon amie. Ton père et moi, on en parlait justement hier. Depuis que tu la connais, tu perds tes bonnes manières. Je les aime jamais, mes amis, c'est toujours pareil. Oh, Robin Brizard! Là, c'est assez. Si tu penses que c'est en donnant des coups de poing qu'on règle les choses, tu te trompes, mon petit garçon. Tu vas t'excuser ou tu passes le reste de la journée dans ta chambre? Je m'excuse, maman. D'accord. Mais la prochaine fois, pense avant d'agir. Oui. Oh, regarde-moi ça, ça n'a pas de bon sens. Mais t'as vidé tout le pot de confiture? Il en reste? Ben, une cuillère à thé, oui. C'est ton père qui va être content demain matin. Alors, maman, est-ce que je peux y aller en exposition, s'il te plaît? Où est-ce que vous voulez aller exactement, là? Bien, je vais te montrer mon plan. Regarde, ici, là, c'est notre maison. On va suivre la ruelle jusqu'à la petite rue, ici. Puis rendu là-bas, c'est là qu'on va manger notre pomme. Bon. Après qu'on a fini nos pommes, là, on va continuer jusqu'au parc. C'est là qu'on va manger notre sandwich gratte-ciel. Et en revenant, ici, on va s'arrêter sur le banc. C'est là qu'on va manger le dessert de Stella. Est-ce que je peux y aller? Bon, disons que oui. Yeah! T'as besoin de parvenir trop tard. Puis surtout, d'avoir encore faim pour le souper, hein? Oui, promis, maman. Super! Yeah! Écoute ça. Avec l'autre. Oh, je sais, je vais rajouter de l'écho, ça va être terrible. Hey, Rock! Mon amie Annie vient de me téléphoner. Elle s'en vient me voir! Écoute ça, Stella. Avec l'autre, quel accord t'aimes le mieux? Oh, j'aime les deux. Écoute les paroles. Oh. T'es mon amour, ma belle Catou. Je te vois partout et tout autour. Aime-tu ça? Ah oui, c'est beau. Mais tu vois, moi, j'aurais besoin de $1.50 pour aller acheter des petits gâteaux pleine lune au dépanneur. Mais tu vois pas que je suis en train de composer la plus belle chanson d'amour du siècle. Dérange-moi pas. Ah oui, oui, c'est une belle chanson d'amour, hein, je l'aime beaucoup. Mais prête-moi $1.50. C'est important. Toi, t'es chanceuse que je sois en amour. Oh, Rock, t'es mon grand frère préféré. Ah, tu vas voir que tout, là, elle va t'aimer, là. Elle va assez t'aimer, là. Ah, oh, qu'elle va t'aimer! T'es mon amour, ma belle Catou. Je te vois partout et tout autour. Dans mon miroir, dans mes tiroirs, je deviens fou de te voir partout. Je peux pas rien faire, je peux pas me taire. Quand tu éclaires mon univers et mon amour, ma belle Catou. T'es mon amour, ma belle Catou. Je te vois partout et tout autour. Dans mon miroir, dans mes tiroirs, je deviens fou de te voir partout. Je peux pas rien faire, je peux pas me taire. Quand tu éclaires mon univers et mon amour, ma belle Catou. T'es mon amour, ma belle Catou. Cher monsieur, nous avons le plaisir de vous informer que votre documentaire Masque africain a été mis en nomination au Festival mondial de New York. Le comité de sélection rendra sa décision ce soir à 18h.
le comité de sélection a l'honneur de vous inviter au gala de la remise des prix au Center Place Theater de New York. Stella, es-tu là? Chut! Le comité de sélection a l'honneur de vous inviter au Center Place Theater de New York. Excuse-moi, Robin, c'est l'énervement. Mais tu es la première personne à qui j'ai le plaisir d'annoncer qu'un de mes films a été mis en nomination au Festival mondial de New York. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon film a été choisi parmi les meilleurs documentaires. Et ce soir, à la fin du festival, le comité remettra les trophées aux grands gagnants. Comme ça, tu vas gagner un trophée? Qui sait? Qui sait? Est-ce que tu sais où est Stella? Oui, non, oui, elle était... Non, elle... non, non, je sais pas. Mais toi, où vas-tu avec ton sac à dos? Mais Stella et moi, on part en expédition! Oh là là, l'expédition! Ah tiens, je me rappelle. Stella attend son amie Annie. Annie? Oh. Annie, cet après-midi? Où t'étais? J'étais partie chercher les petits gâteaux. Moi, j'ai fini mon super sandwich de justesse. Ma mère a failli m'empêcher de venir. Hey, si vous voyez, c'était là, là, un vrai gratte-ciel. Aide-moi, il faut décorer les gâteaux. Mais non, c'est pas nécessaire. Oh, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vue. Hein. Annie, c'est ma meilleure amie. Oh, je suis assez contente. Annie, c'est sa meilleure amie? Hé, hey, grue-toi, Annie va arriver là d'une minute à l'autre. C'est parce que je pensais que les petits gâteaux, c'était pour nous autres. Ah! J'ai trouvé! Ah oui, mais... Mon oncle! Qu'est-ce que tu veux, Stella? Ben, je veux faire une banderole pour écrire dessus « Bienvenue, Annie ». Est-ce que je peux t'emprunter ce qu'il faut? Oui, oui, j'arrive. Qu'est-ce que tu vas faire? Je viens de le dire. Je vais faire une banderole pour Annie. Bon, loin, Smokey. Ben oui, c'est évident. J'ai besoin d'un habit de cérémonie, moi. Tiens, je crois que ça va faire. Oh, hein? Merci! Oh. Oh. T'as bien l'air énervé. Mais c'est que je vais devenir célèbre! Mais oui, demande à Robin. Moi, je dois me préparer pour le gala. Oh. Célèbre? Robin! Pourquoi tu veux faire une banderole? Annie, mon amie, et ma meilleure amie. Annie, oh, mon amie. C'est que c'était moi son meilleur ami. Et ma meilleure amie. Du, du. Ici, je vais avoir la paix. Oh, bon. Commençons par le commencement. Quand je vais arriver au club, premièrement, je vais... je vais ouvrir la porte. Ouais, c'est bon, ça. Puis là, je sais ce que je vais faire. Je vais m'approcher derrière Catou, sans qu'elle s'en aperçoive, puis je vais lui chanter ma chanson. Tout à coup, elle n'aime pas les paroles. T'es mon amour, ma belle Catou. Je deviens fou de te voir partout. Ouais, je devrais peut-être pas lui dire que je deviens fou, ça va peut-être lui faire peur. À moins que je change ça pour... Je vaux pas un sou. Non. C'est comme si je lui disais que je valais rien. Non, c'est pas bon, ça, je vaux pas un sou. Autant dire, je suis cassé comme un clou. Non, dans le fond, le plus simple, ce serait de lui dire sans prendre de détour. Je ne sais pas, moi... Je pourrais lui dire... Chêne! Moi, pareillement. Oh, mon oncle, qu'est-ce que tu fais là? Oh, rien, rien. Oui, en fait, oui, je fais quelque chose. Je me prépare pour une grande sortie. Ah oui? C'est drôle, moi aussi. Ah oui? Hein? Et c'est pour ça que tu dis que tu m'aimes? Non, non, je pensais à quelqu'un d'autre. Ah bon? Eh bien, ce que je vois, c'est quelqu'un que t'as l'air d'aimer. Je sais pas. Je pense que oui. Eh bien, pour quelqu'un qui est pas certain, t'as dit « je t'aime » pas mal fort. C'était trop fort. Ben, enfin, disons que, dépendant de la situation, ça peut faire peur. Oui. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Je dirais moins fort. Je veux dire... Tu veux dire quoi? Faut que j'y aille, moi. Un peu. Non, ça a pas l'air d'aller, toi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas? Est-ce que je peux tester quelque chose avec toi, Darius? Ben oui, vas-y, vas-y. Qu'est-ce que tu penserais si je te chantais? T'es mon amour, ma belle Catou. Je deviens fou de te voir partout. Qu'est-ce que tu dirais?
Comme ça. Toi et Catou. Moi et Catou, moi et Catou. Parfois, j'ai l'impression que c'est moi tout seul. Ben, comment ça? Je suis pas certain si Catou. Tu comprends? Te dire que t'es pas certain si Catou te trouve de son goût. Ouais, c'est à peu près ça. Ah! C'est comme moi, ça. Tu savais peut-être pas, Rock, mais mon film Masque africain est en nomination au Festival mondial de New York. Ah oui? Eh oui. Et puis, je suis pas certain si les juges vont l'aimer. Voyons, c'est pas pareil. Ah, ça se ressemble beaucoup plus que tu ne le penses. Ah oui. Avant d'envoyer mon film en compétition, là, eh bien, j'ai connu ça, moi aussi. Le doute, l'hésitation, les sueurs froides, les mains moites, là, les papillons dans le ventre. Oh, les déceptions, la peur, les remises en question, les problèmes digestifs. Darius. Oui. Je suis là. Excuse-moi, je m'emporte. J'ai connu ça aussi, l'emportement. Ah, moi, c'est pas pour tout de suite, l'appartement. Pas l'appartement, l'emportement. Non, écoute, ce que je veux te dire, c'est que si tu ne risques rien, tu n'auras rien. Décourage-toi pas. Faut juste que tu trouves les morceaux qui forment les coins. Si tu commences par le milieu, c'est beaucoup plus difficile. Elle est belle, ça a pas d'allure. Dire que bientôt, je vais sortir avec. C'est ça. Tu vois, tu vas réussir. La petite chanceuse. Un bec sur la joue, un autre sur le bobo. Je me sens mal. Salut, Rock. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, j'étais venu voir si Stella était là. Comme tu peux voir, elle est pas là. Ah, ouais, elle est pas là. Tu fais de la musique. Comme tu peux voir, elle est pas là. Oui, je fais de la musique, oui. Il est pas là, le frère de Stella. Je dirais même qu'il est beau. Est-ce que ça fait longtemps que tu joues? Oui, je compose des chansons depuis tout le temps. Ça tombe bien que tu sois là. Je cherchais justement quelqu'un pour faire les bandes sonores du club. Ah oui? En tout cas, si jamais ça t'intéresse... Pour m'intéresser, ça m'intéresse. Faudrait qu'on se rencontre à un moment donné. N'importe quand. Il s'agirait juste qu'on se fixe un rendez-vous. Oui, ça m'intéresse beaucoup. J'espère que je me suis pas mise les pieds dans les plats. Puis d'ailleurs, j'ai pas grand-chose à faire de ce temps-là. J'aimerais ça avoir de la musique pour les enfants et puis... pour les grands. Ça tombe bien. J'ai justement quelque chose pour toi. Mais je parlais pas de moi, là. Ça s'appelle... Comme l'amour. Tu m'aides ou tu m'aides pas, Robin? Il faut être deux. Je suis pas capable toute seule, moi. Oh. Oui, mais notre expédition... Oui, 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 mais là, là viens m'aider. Je peux pas, j'ai le sac à dos. Mais t'as juste à l'enlever, ton sac. Je te trouve pas tellement drôle. J'ai super sandwich gratte-ciel que j'ai fait pour nous deux dans mon sac à dos, même que... Toi, qu'est-ce que t'as donc? Allez, viens m'aider! Mais oui, mais j'ai des étages aux bananes, au beurre d'arachide, au miel, au fromage... Mais oui, mais moi, il faut que j'installe la banderole. Veux-tu m'aider? Où faut que tu l'attaches, ta banderole? Allez, enlève ton sac, là, puis viens m'aider. Non, je le garde. Hein? Dis-toi, quand t'es pas de bonne humeur, t'es pas de bonne humeur? Je suis de très bonne humeur. Une chance? Bon. L'attaches-tu, là? Je commence à être tannée, moi. Ah oui, mais si t'enlèves ton sac aussi. Je t'ai dit que je le gardais. Puis, je change pas d'idée à toutes les secondes, moi. Quand je dis quelque chose, je le fais. Mmh. Bon, j'achève. Bon, il est temps. Et je voudrais bien que tu m'expliques. Ah, c'est Annie! Hey! C'est mon ami Annie! Et hop, la banderole sur la tête. La voilà, cette Annie dont la visite n'était pas prévue. Robin est inquiet. Qu'adviendra-t-il de leur beau projet d'expédition et du super sandwich gratte-ciel? Stella n'a pas beaucoup réfléchi. Elle n'est pas très attentive au malaise de Robin. Nos deux amis arriveront-ils à s'expliquer? C'est ce que nous saurons dans la suite de la palpitante aventure de Robin et Stella.
Nous avons vu Robin et Stella chercher un projet pour la journée. Ils décident de faire une expédition dans les rues de leur quartier et de pique-niquer. Stella doit s'occuper du dessert pendant que Robin prépare un super sandwich gratte-ciel. Mais surprise, Stella apprend que son amie Annie vient la visiter. Elle est très excitée. Alors que Stella prépare l'avenue d'Annie, Robin se sent un peu rejeté. Il a l'impression que Stella a oublié leur beau projet. Voyons vite la suite de cette palpitante aventure de Robin et Stella. Oh, Annie, je suis tellement contente de te voir. Oh, moi aussi, j'avais assez hâte. J'avais préparé une banderole, mais elle est tombée. C'est pas grave. Puis, est-ce que t'aimes ta nouvelle école? Oh, parle-moi pas. Les gars de la classe sont assez tata. Hey, ils font comme si j'étais pas là. Tu te rappelles-tu la fois que j'avais donné un coup de pied à Barakuda? En tout cas, il avait arrêté de t'achaler. Je te dis, ça l'avait pas manqué. Hey, tes cheveux, là, c'est génial. T'aimes ça? Je comprends. C'est tellement bien t'arranger, toi. Moi, j'ai pas le tour. Ben oui, Stella. T'es belle comme ça. Le hoop, c'est ce qui est là. Oui, puis il est toujours aussi talent. Mais c'est moi qui s'en occupe quand mon oncle Darius part en voyage. J'ai rêvé à lui l'autre jour. Oui. Il s'était caché dans mon sac d'école. La maîtresse le voyait pas. Puis il faisait rire toute la classe. C'était un rêve. Des fois, je m'ennuie assez de vous autres. Hey, mon oncle Darius, là, il va peut-être gagner un prix au Festival mondial de New York. C'est le concours, là, pour les meilleurs films du monde. Oh, il est tellement génial, Darius. Oui. Je suis sûre qu'il va gagner. Vas-tu encore dans le Rapidotron? Ben oui! Où est-ce que tu es allée dernièrement? Raconte-moi! Dernièrement, où est-ce que je suis allée, donc? Ben, t'es allée en Amazonie? Ah oui, c'est ça! Je suis allée en Amazonie! En Amazonie? Maman. Qu'est-ce que t'allais faire là? Ben, c'est parce que ma mère avait besoin de farine pour faire des crêpes, puis Stella m'en a prêté, hein? Oui, puis l'Amazonie! Ben, c'est ça! Ses parents avaient mangé des crêpes à la Boulabala, puis ils ont ratissé. Hey, c'était grave, hein? Alors là, je suis allée rejoindre mon oncle en Amazonie pour qu'il nous aide à trouver un remède. Puis, qu'est-ce qui t'est arrivé là-bas? Ah! Ça y est! Je l'ai filmé! Victoire! J'ai eu la peur de ma vie. Mais une chance, tout s'est bien terminé. Moi, j'étais partie pour aller l'aider. Où est-ce que t'es allée à part ça en Rapidotron? Mais je suis allée sur une île déserte. Mais tu te rappelles, je t'ai écrit pendant que j'étais là-bas. Oh oui, oui! Oh! Je vais pouvoir écrire ma lettre à Annie en paix. Pour avoir la paix. En tout cas, c'était une drôle de lettre. Je vais la conserver toute ma vie. Ah, hey, Stella, est-ce que tu sais l'heure qu'il est? Regarde. Non, mais tu pourrais attendre une minute, là. Tu vois bien c'est que... C'est qui, lui? C'est Robin. C'est lui qui habite dans ton ancienne maison. Qu'est-ce qu'on fait? Ce que tu veux! Bon, mais je pense que je vais enlever mon sac à dos, moi. Hey, je te jure, il s'en est passé des choses depuis que t'es déménagée. Je vais suivre des cours de ballet jazz. Ma mère a fini par se décider à dire oui. Ah, chanceuse! On va faire un spectacle, puis je vais être dedans. Oh, wow! Je vais t'inviter. Et le Oups, là, il va devenir fou quand il va te voir. Oh, je vais aller lui dire bonjour. Hey, est-ce que vous voulez de la limonade? J'aime mieux le lait, moi. C'était là. Oui? Te souviens-tu quand on a amené le Oups dans le métro? La madame, elle est assez pas. Elle a perdu son chapeau tellement elle a fait un gros saut. J'étais morte de rire. Je vais me cacher en arrière de toi. Oui? Puis quand on va être dans l'arborium, je vais apparaître deux coups secs. Tu vas voir, le Oups va sauter partout. Oh, d'accord, on y va. Hé, hey, regarde le plan que j'ai dessiné. Quoi? Le plan que j'ai dessiné pour notre expédition. Oh, oui, c'est là, oh! Je dirais que je suis même pas là. Hé, hey, mon oncle, devine qui est avec moi. Un hippopotame. Mais non! Un swimanga. Un quoi? Swimanga! Tu te rappelles le petit oiseau d'Afrique que tu trouvais si beau? Oh, mon oncle, fais pas le fou! Hey, l'Oups! L'Oups! Sors de là! Est-ce que tu reconnais la belle Annie? Ah oui! Bien oui, c'est moi! Oh! Et tu me reconnais? Oh, t'es tellement fin! Hey, doudou! Comment t'as fait pour savoir que c'était moi? Tu sais très bien que j'ai des yeux tout autour de la tête! Mon Oups d'amour! Que t'es beau! Oh, je t'aime assez! Et je te dis qu'il est content de te voir, hein? Oui! C'est vrai qu'elle est chez elle ici, tout le monde l'aime.
Est-ce que Stella t'a dit que j'allais peut-être gagner un prix pour un de mes films? Ah oui, oui, je lui en ai parlé. Oui. Bon, alors tu vois le petit coin sur l'étagère? Eh bien, c'est là que je vais mettre mon trophée. Ah! Oh, hémisphère, hémisphère, que je me sens impatient! J'ai hâte de le voir. Oh, un film? Ben non, ton trophée. Ah, ben oui. Annie, j'ai encore quelque chose pour toi. Allez, viens. Ben voyons. Ben, calme-toi, là. Oups, voyons, elles vont revenir. Elles vont revenir. Stella vient de retrouver son amie Annie. C'est un moment important quand deux amis se retrouvent, tu sais. Oups, oups. Annie, assieds-toi. Puis ferme les yeux. Pourquoi? Puis regarde pas. T'as pas le droit de tricher. Attends-moi, je reviens. Ça y est! Tu peux les ouvrir! Oh, Stella! Mes petits gâteaux préférés! T'es folle! Je te gâche que Stella pensera même pas m'en donner un morceau. Envoie! Fais un vœu! Oh, j'espère qu'il va se réaliser. Puis, c'était quoi ton vœu? Revenir rester à côté comme avant. Oh, wow! Ça, c'est génial comme vœu! Mais on pourrait encore partir ensemble le matin pour l'école? Oui. Puis s'échanger les collants? Oh, wow! Je m'ennuie de toi, moi aussi. Ouais. Bon, on mange! Un morceau pour l'invité, un morceau pour Robin. Que vous en pas pour moi, j'en veux pas. Ah, c'est parfait, ça va nous en faire plus. Ah, mais t'es certain, Robin? Mais, même pas ici qu'on devait les manger, les petits gâteaux. Est-ce qu'il vient souvent ici, lui? Ah oui, je t'en ai parlé dans la lettre que je t'ai envoyée. Tu sais, la chambre que t'avais avant, là, mais c'est lui qui l'a maintenant. Je l'aimais tellement, ma belle chambre. Je pensais pas que ce serait un gars qui l'aurait. Ah, oh, mais Robin, il l'a bien arrangé, hein? Oh, mais j'y pense. T'aimerais peut-être ça l'avoir? Ouais. Robin, là, il a toutes sortes de belles choses. Hein. Il a un cheval. Pas un petit cheval, là. Un cheval, là, comme t'en as jamais vu. Un cadran qui part. J'ai hâte de voir ça. Veux-tu, Robin? Ça me dérange pas. Oh, yeah! On finit notre gâteau, puis on y va. C'est vrai qu'il est bon, ce gâteau-là, hein? Hé, mais attends-nous, Robin! Où est-ce qu'il va, lui? Il connaît le tunnel? Tu lui as montré notre passage secret. On t'avait pas le droit, Stella. On s'était juré de jamais le dire à personne. Ben oui, mais c'est le oups, Annie. C'est à cause du oups. Robin, il dira pas. Je pensais jamais que tu ferais ça. T'avais pas le droit. Annie, j'ai pas fait exprès. Et on commencera pas à chicaner, là. Vous venez ou vous venez pas? Là, tu vois? On dirait qu'il pense que c'est à lui le tunnel. Annie, arrête. Allez, viens. On le voit. Annie, viens voir le cheval. Il était bien plus beau avec mon rideau en arc-en-ciel. Regarde! Regarde, on peut entrer dedans! On peut entrer dedans le cheval! Tu vas voir, c'est génial! Moi, j'aimerais assez ça en avoir un comme ça. Moi, là, j'avais mon coffre de poupée. Un cheval. Un cheval! Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? C'est bébé. Mais tu vas voir tout ce qu'il peut faire avec! Ici, c'était mon lit. Puis là, j'avais un beau petit bureau pour mettre mes affaires d'école. Moi, je trouve que c'était bien plus beau quand c'était ma chambre. Hey, Stella, as-tu vu le vieux cadran? Mais c'est Buzz! C'est lui le cadran qui parle. Ben, un cadran qui parle, ça se peut même pas. Buzz, dis quelque chose. Je te gâche qu'il sait même pas dire l'heure. Tu me crois pas? Je te jure, moi, il parle. Allez, Buzz, dis bonjour à Annie. Buzz, il parle pas aux gens qu'il connaît pas. Si c'est comme ça, tu peux lui demander de te parler à toi. Tu pourrais même pas l'entendre. Buzz, un mot, un tout petit mot pour qu'Annie nous croie. Il veut pas, Stella, il veut pas. Bon, on va jouer avec le cheval. Ben, le cheval, il parle pas, par exemple, mais je peux rentrer dedans. Fais attention de pas te perdre. Hé, Stella. Te rappelles-tu quand on se faisait des signes par la fenêtre? Des fois, chez moi, je regarde par la fenêtre, puis je pense à toi. Oh, moi aussi. Thank you.
frère, il bouge lui aussi. Regarde ses oreilles! Je les vois, je les vois. Et demande-lui de rire, Annie! Ben, pas besoin si tu le dis. Je te dis que elle est pas drôle. Bah, c'est facile, c'est une cassette. Ouais, on dirait vraiment que c'est le cheval. Je trouve pas. Vas-y! Et l'entends-tu galoper, celle-là? On dirait qu'il pense qu'il est dans un film de cow-boy. C'est génial, hein, Annie? Hey, Stella, on va-tu au club des clubs? Tout de suite? Ben oui, je l'ai vu, son cheval, là. On voit, Stella, ça fait longtemps que j'y suis pas allée. Oui, mais on attend pas Robin? Ben, laisse-le faire, il joue avec son cheval. Viens-t'en, on y va. Stella, écoute bien ça, Stella! C'est comme si mon cheval marchait dans la forêt. Oui, et puis j'ai enregistré l'écho. Puis les bruits de branches, c'est mon père qui m'a aidé. Peut-être que vous pourrez y aller tous les trois en expédition. Stella? Est-ce que tu m'entends, Stella? Quand il va voir qu'il est tout seul... Robin! Stella et son ami sont partis. Tu parles dans le vide. Gaspille pas ta salive. Ça se fait pas? Aussi vrai que je te le dis. Ça se peut pas que Stella soit partie sans me le dire. J'ai cru comprendre qu'elles sont allées au club des clubs. Mais je vais y aller au club. Je vais aller leur dire que ce qu'elles ont fait, c'est pas correct. Moi, là, je voulais même partager mon sandwich gratte-ciel en trois. Stella, c'est même pas une vraie amie. Parce qu'une vraie amie, ça ferait pas ça. Décourage-toi pas. T'avais une bonne idée. Va au club. Je sais bien que c'est pas facile, mais essaie de lui parler à Stella. C'est mieux que de rester là faire la baboune. Oh, toi, là, laisse faire tes conseils. Excuse-moi, je voulais seulement t'aider. Ben, je t'ai pas demandé l'heure. Bon, 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 j'ai rien dit. Monsieur est à prendre avec des pincettes. Je me tais. C'est mieux pour ta santé. Qu'est-ce que tu dis? C'est mieux. Dépêche-toi, celle-là! Sors ta carte! Je trouve qu'on n'a pas été fine de partir sans dire à Robin. Oh, laisse faire, Robin! Mais non, on voit jamais, pour une fois qu'on est ensemble. Tiens, de la grande visite! La belle Annie qui vient faire son tour. Salut, Catou! Oh, c'est beau ici, hein? J'aimais ça venir après l'école avant. Lolotte, est-ce qu'elle vient encore? Oui, je l'ai vue hier. Puis toi, ta nouvelle maison, aimes-tu ça? Oh oui, ma chambre est pas mal belle. Mais c'est loin d'ici. Regarde, Hugo, il a pas changé, hein? Il est toujours dans la lune. Près de chez moi, il n'y en a pas de club. Hein? Faites-vous encore des spectacles? Ah oui, souvent. Oh. Regarde, Rock, au comptoir. S'il continue à fixer Catou comme ça, là, il va tomber dans les pommes. On dirait qu'il est sur une autre planète. Mais qu'est-ce qu'il y a donc? Il est en amour avec Catou. C'est nouveau, ça? On devrait lui jouer un tour. Oui, mais quoi? On arrive par en arrière, hein? Puis on lui pince les côtes. Oh, wow! À go, on y va. Un, deux, trois, go! Est-ce que tu t'es fait mal, Rock? Qui ça? Moi? Mais non, je parlais au bain. Vous deux, là, recommencez pas. Rock aurait pu se faire mal. Oh, on sait bien. On s'en va. On a d'autres choses à faire, nous autres. Qu'est-ce qu'on a à faire? C'est ce que j'aimerais. Faire un tour de rapidotron. Ça fait tellement longtemps. Oh, oui. Rock est en amour. Rock est en amour. Rock est en amour. Rock est en amour. T'es mon amour, ma belle Catou. Je te vois partout et tout autour. Dans mon miroir, dans mes tiroirs, je... Oh, tu veux Stella? Non,
Oui. Je sais pas. De quoi tu parles? Où est-ce qu'elle est? Elle est pas venue ici? Oui, oui. Elle vient de repartir. Où ça? Rapidotron. On est allé faire un tour en Rapidotron? Il me semble. Je te dis que ça va mal aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Ta sœur m'a planté là. On devait aller en expédition. Mais l'autre est arrivée. Elle se sauve de moi. C'est comme si j'étais rien. Va les rejoindre. Elles sont peut-être pas encore parties. Tu penses? Ben oui. Essaie, tu vas voir. Faut être patient des fois. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais. Ouais. Oui, quoi? Hey, Rock! Je te comprends, Robin. Hey, t'as bien drôle d'air aujourd'hui. Des fois, les filles sont difficiles à comprendre. Oh. Bon, mais je vais essayer encore. Je vais aller voir au laborium. Hey, pense-y, Annie. C'est à toi de choisir où on va. Moi, je peux y aller souvent. Il y a tellement d'endroits où je voudrais aller, je sais pas. Hey, te souviens-tu de la fois où on avait été en Égypte? Avec le chameau qui voulait plus avancer? Oui, là, on avait eu chaud. On fondait comme des cornets. On avait eu du plaisir. Bon, te rappelles-tu quand Darius est venu nous chercher en Australie? Ah, mais oui! Tu voulais entrer dans la poche du kangourou. Tu sautais tellement que t'avais la tête en compote. Une chance que Darius est arrivé. Ah oui. Bon, mais décide, là. Où est-ce qu'on va? Dans le labyrinthe. Oh non, pas là. La dernière fois, on a eu assez de problèmes pour revenir. Oh, j'aimerais tellement ça y aller. J'y ai repensé, puis je suis sûre que je saurais le truc pour pas qu'on se perde. T'es sûre de ton affaire? Ah oui, je te le dis. Bon, ben, d'accord, on y va. Départ pour le labyrinthe! Oh, je pense qu'il y a quelqu'un qui aimerait bien venir avec nous autres. Oh non, pas lui. La dernière fois, c'est à cause de lui si on s'est perdu. Oh, on regarde-le. Il veut absolument venir. Mais tu te rappelles, il s'était sauvé. On était obligés de le chercher partout. T'as raison. Je pense qu'on est mieux de le laisser ici. La prochaine fois, là, on va t'amener. C'est promis. T'es trop petit pour venir dans le labyrinthe. Non, non, tu restes ici. T'es assez grand pour comprendre ça, même si t'es trop petit. Bon, la prochaine fois, je le jure. Oh, on pleure pas, là. Oups. Ça sera pas long. On va revenir presque tout de suite. De toute façon, t'es déjà venu, hein? Bon, là, ça suffit. Oh, il fait pitié, pauvre petit Oups. Regarde-le. Et vous êtes pas parti? J'ai eu peur d'être en retard. En retard pourquoi? Le voyage en Rapidotron. Je savais pas que tu venais avec nous autres. L'as-tu invité? Je le trouve collant, Robin. Il pourrait nous laisser tranquilles pour une fois qu'on est ensemble. Où est-ce que vous avez décidé d'aller? Dans le labyrinthe. Ah, c'est où, ça? C'est loin, puis c'est dangereux. Oh, c'est pas grave, j'ai pas peur, moi. Est-ce que je peux aller avec vous autres? Moi, je suis venue chez toi pour te voir. Décide-toi. Robin, Annie et moi, on se voit presque jamais depuis qu'elle a déménagé. On aimerait ça être juste nous deux. Ils veulent pas de nous autres. Moi aussi, t'aurais aimé ça y aller, hein? Je sais vraiment pas ce qu'elle a, celle-là, aujourd'hui, mais elle est vraiment pas gentille avec moi. Comprends-tu ça, toi, là, Oups? Prépare un projet ensemble, là. J'arrive avec un super sandwich. Géant, puis je te dis, ça me fait de la peine. Elle se rend même pas compte qu'elle me fait de la peine. Ah! As-tu vu ça, Robert? L'allure du grand gagnant du Festival mondial de New York. Bon, bien maintenant, il ne me reste plus qu'à préparer un mot de remerciement. Tu sais, le discours que l'on fait lorsqu'on reçoit un trophée. Alors, écoute-moi bien, Robin, et tu me donneras ton avis. Mesdames et messieurs du jury, je suis
Très émue. Oui, oui, c'est ça. Très émue. Et je tiens à vous remercier d'avoir si bien apprécié la subtilité de... Mais la subtilité de mon documentaire. Oh, oh, qu'en penses-tu, Robin? Trouves-tu que c'est un début intéressant? Oui. Mais dis donc, t'as l'air en pleine forme, toi? Oui. Ouais. Oui. Est-ce que par hasard tes ouais auraient un rapport avec Stella et Annie? Ouais. Ouais. Ben, où est-ce qu'elles sont parties? Dans le labyrinthe. Ah, et on ne t'a pas invité? Non. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un labyrinthe? Ben, viens, viens à l'ordinateur, je vais te montrer. Ben, tu vas voir, c'est amusant. Allez, Robin, allez, viens, tu vas d'accord. voir. Allez, assis-toi. Bon, tout d'abord, tu écris info. Pourquoi info? Info, c'est l'abréviation de information. On veut savoir ce que veut dire labyrinthe. Alors, on a besoin d'une information. C'est amusant, hein? Oui. Bon, bon, écris-le. Hmm? Voilà. Nous sommes maintenant dans le fichier info. Maintenant, écris labyrinthe. Comme ça? Non, labyrinthe, ça s'écrit, ça s'appelle, écris-le, L-A-B-Y-R-I-N-T-H-E. C'est amusant, hein? Ouais. Bon, d'accord. Voilà. Le labyrinthe est, essentiellement, un croisement de chemins dont certains sont sans issue et constituent ainsi des cul-de-sac qui... Cul-de-sac. Oh, 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 c'est un mot qui m'a toujours fait rire, moi. Cul-de-sac, cul-de-sac, cul-de-sac. Non? Bon, continuons. À travers lesquels il s'agit de découvrir la route qui conduit à la pièce centrale. Est-ce que tu comprends, Robin? Non. Non. Bon, alors, on va demander à l'ordinateur de te faire un dessin. Hey, j'ai déjà vu ça. J'aurais aimé ça y aller. Oh, j'aime ça, moi! C'est compliqué dans le labyrinthe, hein? Mais on va pas encore se perdre pour vrai. Oh non, inquiète-toi pas. Je me fais un plan dans ma tête, puis tu vas voir. Encore quelques détours, puis on va se reconnaître. Oh, tiens, c'est ici qu'on s'était perdu. Hein, je me souviens pas vraiment. Inquiète-toi pas. Aujourd'hui, on va retrouver notre route. C'est là! As-tu vu? Quoi? Je pense que j'ai vu Robin. Tu sais, ton Robin. T'es sûre que c'est lui? Si c'est pas lui, lui ressemble beaucoup. Je l'ai pas vu. S'il nous a suivis, lui, là, il va se faire parler. Voyons, est-ce qu'il est... Oh, il est là! Où ça? Oh, je te gâche qu'il va se perdre. Il avait juste à pas nous suivre. On dirait qu'il est jaloux. Il pense que je peux pas avoir d'autres amis que lui. Tiens! Regarde ce que j'en fais de l'expédition et du sandwich gratte-ciel! Oh, oh, ça va mal! Toi, là! Regarde si tes aiguilles tournent! J'ai rien dit! Stella, c'est plus mon amie. Parce qu'un ami, ça fait pas des choses comme ça. Je veux plus la voir. J'irai plus jamais chez elle. Puis le tunnel, là, je vais le boucher. Si ça vient me voir, là, je vais lui dire « Va voir, Annie! » Puis moi, là, je lui parlerai plus jamais de toute ma vie. Peut-être que vous vous êtes mal compris. Ça sert à rien, boss. Il est trop tard pour me faire changer d'avis. J'ai tout essayé. C'est fini. C'est fini pour toute ma vie. Oh là 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 là, ça va mal. Robin ne veut plus voir Stella. Pour être juste, il faut dire que Stella ne tient pas beaucoup compte des sentiments de Robin. De son côté, Robin ne comprend pas non plus que Stella n'a pas souvent la chance de voir Annie. C'est un bien difficile malentendu. Que tout cela est inquiétant. Si Robin et Stella ne sont plus amis, qu'adviendra-t-il? C'est ce que nous saurons dans la suite de la palpitante aventure de Robin et Stella. Robin et Stella devaient partir en expédition, mais voilà qu'Annie, la grande amie de Stella, arrive. Toute heureuse, Stella en oublie ses projets avec Robin. Robin se sent rejeté, d'autant plus qu'Annie entraîne Stella au club sans lui. Quand Robin parvient à les rejoindre, Annie et Stella se préparent à partir en rapidotron, et il est de trop. Robin n'en peut plus,
fini l'amitié avec Stella. Il ne veut plus lui parler de toute sa vie. Voyons vite la suite de cette palpitante aventure de Robin et Stella. Moi aussi, j'en ai des amis. Bonjour, est-ce que Christian est là? Ah, oh, il est allé jouer au parc avec Martin. Est-ce qu'ils vont revenir bientôt? Oh. Oui, c'est Robin. Non, non, c'est pas grave. Merci. Il n'y a rien qui marche aujourd'hui. Tout le monde joue, puis moi, je suis tout seul. Prends pas ça comme ça, Robin. Si je pouvais te remonter le moral, je le ferais. Malheureusement, tic-tac, c'est moi qu'il faut remonter. Hey, t'es pas drôle, boss. On pourrait faire quelque chose ensemble. Y a rien à faire. Si tu téléphonais à Robert... Il sera pas là. Essaie. Je le sais, il sera pas là. Comment peux-tu en être sûr? Parce que j'ai pas le goût de jouer avec lui. Il aime trop la bataille, puis... Oh, puis je suis toute seule. Y a personne qui peut jouer. Je l'ai. Quoi? Tu pourrais en profiter. Il y a plein de choses que t'aimes faire quand t'es seule. Découper dans les catalogues, lire, organiser ta collection. Moi, ce que je voudrais, là, c'est jouer avec mes amis. Je suis sûre que Stella et Annie ont du plaisir dans le labyrinthe. On va tellement aimer ça y aller. Hey, tiens! Je viens d'avoir une idée. Une meilleure idée. Ouch! Oh! Hey! Qu'est-ce que t'as dans la tête, toi? Hey, toi, là! Toi, là! Tiens, je vais te démonter. J'ai toujours voulu savoir ce que t'avais dans le ventre. Non, pas ça. Tu es sûre que tu pourras pas me remonter. Je t'en supplie, Robin. Mais non, d'accord, d'accord. Tu sais bien que je plaisantais. Où sont mes ciseaux et mes catalogues? Oh, j'aime ça voyager en rapidotron. Hey, mais t'avais raison, Annie. On n'a pas eu de difficulté à trouver la sortie du labyrinthe aujourd'hui. C'était facile, je t'ai joué un tour. On n'avait rien qu'à suivre le fil. J'en avais tout un rouleau. Ah, mais c'est toi qui as inventé cette idée-là? Non, je me suis rappelé une histoire que j'ai déjà lue. Une histoire de labyrinthe, le fil d'Ariane. Ah, mais si on n'avait pas eu ce fil-là, on serait encore perdus. Hey, on va chercher le oups? Je pense qu'il dort, ou il fait semblant. C'est un petit vieux truc, ça, quand il est pas content. Il fait ça encore. Oui. Et on a eu du plaisir en nous. Oui. Je me demande comment Robin va faire. Oh, bien lui. Il a voulu nous suivre. Eh bien, qui se débrouille pour revenir? Peut-être que par ici, là... Ah! Oh, excuse-moi, ma petite madame, mais je pense que je vais être obligée de te couper la tête. Bon, le champion du collage comique est à l'œuvre. Et que c'est beau à voir. Vive l'indépendance! Je me rappelle, déjà quand t'avais 3 ou 4 ans, tu pouvais passer des heures et des heures à jouer tout seul, tranquille, dans ta chambre. Tellement que ta mère était inquiète. Tu venais voir de temps en temps si t'es encore vivant. Oh, bon, si tu me déranges, là... En tout cas, tu vois que j'avais raison. Tu peux très bien t'amuser sans toujours avoir Stella à tes côtés. Oh non. Juste comme j'avais réussi à l'oublier, là, fallait que tu m'y fasses penser. Pardon. 1000 excuses. Chut. Silence. J'ai rien dit. Continue, Robert. Continue. Hey, regarde ça, boss. Ça va être crampant. Super. Hey, tu sais-tu quelle heure il est? 4 heures. Qu'est-ce qu'on fait, là, maintenant? Oh, 4 heures déjà? Il faut que je parte. J'ai promis à ma mère de revenir à temps pour le souper. Non, non. Téléphone-lui. Puis demande-lui pour rester à souper ici. Ah non, ça donnerait rien. J'ai promis de revenir tôt. Mais c'était mon oncle Darius qui lui demandait. Non, ça sert à rien. Ma mère voudra pas. Oh, c'est plate. C'est plate. On a eu encore plus de plaisir si t'étais resté. Ben, si Robin avait pas toujours été là, on aurait eu plus de temps pour jouer ensemble. Ah, espère, Robin. T'aurais dû me le dire qu'il fallait que tu partes à 4 heures. Bon, ben, salut, Stella. Salut. Salut, l'amoureux. On m'a donné rendez-vous. C'est moi qu'elle a choisi. Moi, Rock. Oh, je le savais, t'aurais dû lui voir la tête. Oh, je peux pas rien faire, je peux pas me taire. Elle m'a donné rendez-vous à 7 heures. À 7 heures? Faut que je me trouve un look. Comme ça, c'est pas mal, hein? Non, plus sérieux. Bon, disons que j'ai rien dit. Comme ça, Stella.
Ah, oh, Rock, t'es fatiguant, là. Bon, Poutine n'est pas en forme. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'aurais aimé ça qu'Annie reste à souper, mais elle a même pas voulu téléphoner à sa mère pour lui demander. J'en connais un qui va être content. Qui? Robin. Oh non, toi, parle-moi pas de Robin. Ouais, raconte-moi donc un peu ce qui est arrivé. Ben, il est arrivé que monsieur nous a suivis comme un petit chien partout, toute la journée, même dans le labyrinthe. Il avait l'air assez triste. C'est moi qui lui dis d'aller vous rejoindre. Je vais aller l'attendre. Et quand il va arriver, là, il va savoir ma façon de penser. Bon, est-ce que je me peigne les cheveux par en haut, par en arrière avec du gel, là, sur le côté? Ladies and gentlemen, the winner is... Mr. Darius Francker. Mr. Darius, the great winner. Les photographes vont sauter sur moi. Les journalistes, tous les journalistes du monde entier vont m'arracher le moindre mot. La gloire. La gloire dans toute sa splendeur. Maman, aurais-tu entendu le bruit du rapidotron par hasard? Qu'est-ce que tu dis, Stella? J'espère que c'est pas perdu pour toujours. Mais de qui parles-tu? Mais Robin, imagine-toi qu'il nous a suivis, Annie et moi, dans le labyrinthe. Je pense qu'il s'est perdu. Robin? Mais non, il n'est pas allé dans le rapidotron, et encore moins dans le labyrinthe. T'es sûr? Absolument, je l'ai vu rentrer chez lui. Ah, mais j'en reviens pas. Il y avait quelqu'un dans le labyrinthe qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. Moi, je l'ai pas vu, mais c'est Annie qui me l'a dit. Ah, c'était certainement quelqu'un d'autre, hein? T'es là! Mais voyons, qu'est-ce que je fais là, moi? Est-ce que par hasard, je deviendrais gousi-gousi? Mais voyons, mon nom, je t'ai jamais vu énervé comme ça. Ah, mais c'est que tu as parfaitement raison, Stella. Moi, j'ai jamais été aussi énervé de toute ma vie. J'ai le trac fou! Mon nom, tu fais mal? Mais non, la réussite guérit tout. Quand ils vont m'appeler, là, pour aller chercher mon trophée, hein? Je n'arriverai jamais à gravir le grand escalier. Trop nerveux! Je vais m'enfarger, je vais tomber! Mais non, voyons! Stella, il faut absolument que quelqu'un de ma famille vienne avec moi. Oui, pour me soutenir. Ah oui, c'est ça. Je vais demander à ton père. Mais non, bon papa! Tu sais bien qu'il y a horreur de prendre le rapidotron. Exact! Alors qui? Qui? Ben, moi, je ne sais plus, là. Rock. Avez-vous des commentaires? Oui, Rock, tu vas faire sensation à New York! New York? Oui, je t'amène à New York. Toutes dépenses payées. Oui, tu vas m'accompagner jusque sur la scène pour aller chercher mon trophée. Je peux pas, mon oncle, impossible. Raison majeure, rendez-vous important. Tu comprends? Oui, bon, alors oublie ça, je vais essayer de trouver quelqu'un d'autre. Si je comprends bien, c'est pas ça. Non. Stella. Oui. Je n'osais pas te le proposer avant, mais oui, parce que ça finit très tard, hein, ces remises de prix. Mais que dirais-tu d'accompagner ton vieil oncle? Oh, mais ça me tenterait, mais tu comprends, avec ce qui s'est passé avec Robin, je préfère rester. Oui. Oui. Je comprends. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais je ne sais pas ce que je vais faire, Stella. Je suis nerveux, je l'ai. Mais oui! Mais oui, pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Stella, je viens de trouver mon escorte. Hey, Buzz, regarde Martin en robe. Hey, s'il se voyait, là, il s'enfuirait après moi. As-tu vu Christian, lui? Avec sa perruque et sa mini-jupe, il est super drôle. Et le professeur, lui, je ne l'ai pas manqué. Regarde-y, chapeau! Robin, c'est moi. C'est qui? Ben, c'est moi, voyons. Qu'est-ce que tu veux? Annie est partie. Est-ce que je peux entrer? Ben, Annie est partie, mais Christian est arrivé. Ça ne dérange pas, tu sois là? Ben, peut-être, mais nous, ça nous dérange. Hein, Christian? Hey, le cheval allait tellement vite, là, que le monde y pensait que c'était une sacoupe volante. Oh, c'est ça! Ça, là, c'est une super idée, Christian. Robin, laisse-moi entrer. Mais là, on n'a pas le temps. Oh, Robin, arrête. Hey, Christian, toi, là, t'es le chef des fantômes. Puis moi, là, je vais être sur mon cheval blanc. Puis je suis le seul à pouvoir traverser les murs quand toi, tu passes au travers des murs du son. Yeah! Hey, bon, fais comme si t'étais, Christian. Je peux bien essayer.
de vieux linge sale. Aïe, qu'est-ce que tu fais? Je veux rentrer, ouvre-moi la porte. Christian, est-ce que ça tente de jouer, toi, avec une fille? Oh non, pas une fille. Surtout que je la connais pas. C'est super, ça. Christian et moi, on fait des affaires de gars. C'est quoi, ça, des affaires de gars? C'est des affaires où les filles ont pas d'affaires. Ça, c'est vrai. Mais qu'est-ce que t'as dit? Oh, c'est là! Je te téléphonerai si je veux jouer avec toi. C'est en plein ça, Robin. Je suis tout seul! Attends, je vais t'ouvrir la porte. Stella? Écoute, Stella, je pense que la réaction de Robin est compréhensible. Je lui ai rien fait, moi. Tu devais partir en expédition avec lui. Et puis, quand Annie est arrivée, vous l'avez complètement laissé de côté. Mais je ne savais pas qu'Annie allait venir. Mais je sais, Stella, je sais. Ce que j'essaie de te dire, là, c'est que vous auriez pu prendre un tout petit moment pour bien vous expliquer. Mais c'était la première fois qu'Annie venait me voir depuis son déménagement. Qu'est-ce que tu viens faire ici, toi? C'est parce que ton ami Christian est parti que tu viens me voir? Hey, non, 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 c'est une blague. C'était là, c'est Buzz qui parlait. On avait tellement le fou rire. Ah, tu te trouves drôle? Puis toi, après ce que t'as fait... Quoi, moi? Hey, tu m'as laissé tomber comme un navet dès qu'Annie est arrivée, hein? Tu sauras qu'Annie, c'était ma meilleure amie avant que tu viennes prendre sa chambre. Hey, j'ai pas pris sa chambre. C'est parce que c'est elle qui a déménagé. On voulait être seules, toutes les deux. Mais si tu me l'avais dit... Je te l'ai dit, tu me l'as pas dit. De quoi j'ai l'air? Oh, Rock, t'arrives à un bien mauvais moment. C'est la guerre atomique ici. Encore en train de vous chicaner, vous autres. Toi, mêle-toi de tes affaires. J'ai pas parlé. Bon, ça suffit, hein? Vous aimez pas ça? Rock, un problème à la fois. Bon, je vais essayer autre chose. Bon, écoutez, vous pouvez pas continuer comme ça. Vous êtes tellement certain d'avoir chacun raison que vous pouvez plus vous parler. C'est elle. C'est pas moi, c'est lui. Ah, vous voyez? Hein? Quand une chicane devient très, très, très sérieuse, là, hein? Savez-vous ce que font les adultes? Ils intentent un procès. Un procès? Ah oui, c'est ça, un procès. C'est quoi un procès? Mesdames et messieurs, la cour. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Levez votre main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Pour que tout soit clair, nous demanderons à mademoiselle Stella de nous exposer sa version des faits, en commençant par le commencement. Bon, c'est que Robin m'accuse de l'avoir planté là sans raison. Mais c'est pas vrai, parce que j'avais une très, très bonne raison. Mais oui, mais... Silence! Vous parlerez à votre tour. Poursuivez, je suis. Oui. Bon. Robin et moi, on devait partir en expédition. Mais là, mon amie Annie est arrivée. Mais je savais pas, moi, qu'elle allait venir. Ça faisait très longtemps qu'on s'était pas vus. Alors, c'est là que Robin a commencé à bouder. Hé, hey, c'est même pas ça! Alors, alors! Mais oui, mais c'est pas juste, parce que moi, je peux jamais parler. Non, ben, vous parlerez à votre tour. La parole est maintenant à mademoiselle Stella. Vous, jeune homme, vous écoutez, c'est tout. Poursuivez, jeune fille, poursuivez. Bon, j'avais acheté deux petits gâteaux. Quand mon amie Annie est arrivée, là, j'ai décidé de les partager pour vous trois. Mais là, Robin en voulait même plus. Il me regardait avec des gros yeux. De quel genre de petits gâteaux s'agissait-il? Celui-là. Oui. C'était notre dessert. Le dessert de notre expédition, Monsieur Robin, si vous continuez à interrompre le témoin, je me verrai dans l'obligation de vous faire expulser. Pour vrai? Poursuivons. Bon. Là, pour être gentil, j'ai voulu montrer la chambre de Robin à Annie. Parce que c'était sa chambre avant d'être celle de Robin. Ouais, pis c'est là que vous m'avez laissé tout seul, hein? Monsieur Robin, c'est la dernière fois que je vous rappelle à l'ordre. Mais c'est même pas vrai. C'est Annie, elle voulait aller faire un tour au club des clubs. Abrégie, jeune fille, abrégie. Oui, c'est pas de ma faute. Robin était jaloux d'Annie. Merci, jeune fille. Je comprends très bien ce que vous venez de dire. Tout me semble très, très clair. Madame le greffier, veuillez assermenter et dénommer
Robin Brizard. Oui, votre honneur. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Levez votre main droite et dites « je le jure ». Oui, oui, oui. Non, dites « je le jure ». Je le jure. Non. Je vous écoute. Ben, pour commencer, moi aussi, c'est pas de ma faute. Oui, non. Je... Au fait, là, au fait. Stella et moi, on s'ennuyait. Alors, j'ai eu l'idée de faire une expédition. Alors, je suis allée faire un super sandwich gratte-ciel. J'ai mis tout ce dont on avait besoin dans mon sac à dos. Quand je suis retournée chez Stella, elle me dit que son amie Annie s'en venait. C'est là que ça a commencé à mal aller. C'est sûr que tu voulais pas m'aider à installer la banderole. Ça, c'est même pas vrai, parce que la preuve, là, c'est que je t'ai aidée. Et en plus, la banderole avait tombé sur la tête. Alors, j'ai dit, excusez-moi, votre mauvaise humeur. Non, ben, je suis pas de mauvaise humeur. Je suis votre honneur. Excusez-moi. Poursuivez. Je me souviens plus que c'est monsieur le chef. Non, 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 jeune homme, si vous continuez ainsi, vous risquez l'outrage au tribunal. Mais oui, ça va, madame, on va pas s'en sortir. Désolée, votre humeur. Non, je veux dire, votre malheur. C'est vous, madame Trottier. Oui, son exigence. Attends. Oh, oh. Poursuivez, monsieur Rotin, avant que je devienne fou. Oui, votre malheur. Mais moi, je vais vous dire que... Oui, ça va, vous êtes passionné, vous, hein. Oui, mais moi, je vais vous dire... Ça continue comme ça, votre malheur, je crois que je vais me... Hey! Ça y est, je m'énerve! Mais Stella et moi, qu'est-ce qu'on va faire? Vous envoyez un verdict. Comme vous n'arrivez pas à vous entendre, je vous condamne à ceci. Interdiction d'être des amis pour le restant de votre vie! Hein? Mais c'est pas juste! Non, c'est pas juste! Pourquoi on n'a plus le droit d'être des amis? Oui, pourquoi? Quand on veut rester des amis et puis qu'il y a un malentendu, il faut que les deux essaient de trouver une solution ensemble. Oui, mais quand on est sûr d'avoir raison, là, d'avoir vraiment, vraiment raison. Oui, puis que l'autre aussi, là, est sûr d'avoir raison. Quand deux amis ont un conflit, c'est impossible que chacun ait raison sur tout. C'est toujours la faute de chacun, toujours. L'important, c'est de bien écouter l'autre et savoir reconnaître ses propres torts. C'est de ma faute. Quand j'ai su qu'Annie allait venir, là, j'étais tellement contente que je t'ai laissée tout seule. J'aurais dû t'expliquer. Ma faute aussi, je voulais pas changer mes plans. Oh non, c'est ma faute. En plus, on a mangé les deux gâteaux pleine lune ensemble, Annie et moi. J'ai boudé au lieu d'en manger. Non, t'avais raison. Mais non, j'avais pas raison, c'était là. Oh, ça y est, ça recommence. Mais d'accord, on arrête. C'est simple dans le fond. Il s'agit de prendre le temps de bien s'expliquer. C'est mon film. Je veux savoir si j'ai gagné. Nous avons le plaisir de vous informer que le documentaire primé cette année est Le volcan bleu de M. Louis Valise. Hémisphère d'hémisphère, Louis Valise qui gagne. Ah, un volcan bleu, ça existe même pas, j'en ai jamais vu, moi. Ben moi non plus, j'en ai jamais vu. Le deuxième prix est décerné au réalisateur italien Luigi Joselito pour son film Land qui rit. Ah, c'est pas juste. Et enfin, le troisième prix du Festival mondial de New York est décerné à M. Darius Franqueur pour le film Masque africain. Oh, c'est pas juste! C'est mon film qui était le meilleur! T'as raison, mon oncle, c'est ton film le meilleur! Oh. C'est vrai, c'est pas juste. Tu l'as même pas vu? Ça fait rien. Je l'aime pareil, son film. Oh, écoutez, oui, mais à bien y passer, un troisième prix, c'est très bien. Ouais. Hein? Et puis, Le volcan bleu, c'est vrai, c'est un bon film, et puis, il méritait le premier prix. Voilà. D'ailleurs, je n'ai pas dit mon dernier mot. L'an prochain, c'est moi qui vais gagner. Hey! Oh là là, ouais. Savoir perdre, c'est pas facile. Hein? Mais il faut se faire une raison. Ah oui, il faut se faire une raison. On peut avoir une déception, et puis, on peut apprendre beaucoup de choses. Hein? Qu'en pensez-vous, les enfants? Oui. Moi, je suis d'accord. Moi, je dis que c'est toi qui aurais dû gagner. Ah. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Ah, eh bien, moi, il me reste quelques petites courses à faire et puis en route pour New York. Hey, Stella, hein? On devrait jouer aux cartes. Non. On va jouer à la main chaude. Mais là, c'est moi qui vais mettre ma main par-dessus la tienne. Non. Bonjour, Catou. T'as encore beaucoup de travail? Salut. T'es ponctuel, Rock? 7 heures pile? Je suis comme ça, moi. Jamais en avance, jamais en retard. Surtout quand c'est pour quelqu'un comme toi. Tu veux faire quelque chose? Pas maintenant. Ça te va bien, cette coiffure-là? Tu l'aimes. Je suis content. C'est mon genre. Ça sera pas long. As-tu commencé à préparer de la musique pour nous?
Oui, je pense que c'est très bien parti. Les enfants vont être contents. T'es certaine que je peux rien faire? Non, tu sais pas où serrer les choses. J'apprends vite. Tu trouves ça gentil que tu sois venu? Je suis comme ça, moi, un gars gentil. Ah oui, je voulais te demander. Oui, demande. Est-ce que tu voudrais sortir? Bien certain. Je suis libre comme l'air. J'espère qu'on se comprend bien. Je te comprends depuis la première fois que je t'ai vu. C'est comme si je te connaissais depuis toujours. Ah bon? C'est que j'étais pas sûre, c'est un petit peu gênant. Non, faut pas que tu te gênes avec moi. Je suis un gars simple. Bon, on va les sortir. On va les sortir. Je vais t'aider, ça va être moins long. C'est les vidanges que tu veux sortir? Ben oui. Oui. Bon, on va les sortir. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Il est trop tard pour notre expédition. Oui, je pense. On pourrait y aller demain. Demain. Mais quoi? Ton sandwich. Ouais, mon sandwich gratuit? Ton sandwich, là, peut-être que demain, il sera plus bon. Ah, ben oui, c'est vrai, ça. Ben, c'est pas grave. On a juste à le manger tout de suite. Ah, génial! Et puis, est-ce que ça va? Oh, tu sais, ça n'a pas été facile de trouver quelque chose à ta taille. Et puis, es-tu bientôt prêt, hein? Et qu'est-ce qui se passe? Oh! Attends, laisse-moi t'aider. Ah, tiens, ça, c'est mieux. Attends, il manque la cerise sur le gâteau. Oh! Ouais. Ah, c'est parfait! Tu sais, tu as vraiment beaucoup de classe. Hein? Oh, toute une escorte que je vais avoir là, moi. Tourne-toi! Wow! Bravo! Fantastique! Génial! Attention, Stella! Oh, excuse-moi. Mais c'est dommage, on doit le démolir pour le manger. Il est tellement beau! Mais on le démolira pas. Non. Faut prendre tous les étages d'une seule bouchée. Ah. Hey, Stella! Non. Oh. C'est une blague. Robin, sais-tu à quoi je pense? Non. Demain, là, on n'ira pas en expédition. Oh non? J'ai une meilleure idée. Demain, on va aller dans le labyrinthe. Yeah, ça va être super! Hey! Hey, Stella, je voulais te dire quelque chose. Quoi? Ben, je suis content. Je suis content qu'on soit encore des amis. Ah, oh, moi aussi. va répondre. Je vais la tenir. Ah, bon. Oui, allô? Oh, allô? Oui? Oh, oui, ça marche. Ça va être super. Oui. Ben oui. D'accord. Oui. Salut. Hey, super, ça! Qui c'était? C'est Christian. Il dit qu'il va venir passer la journée de... Demain. Demain? Eh bien, Robin et Stella ne sont pas au bout de leur peine. Mais ils savent maintenant qu'ils peuvent se comprendre et rester de bons amis. Ils ont appris qu'un conflit, ça se règle à deux. Oui, il faut prendre le temps de s'en parler et de s'écouter. Un malentendu qui dure, c'est dangereux pour l'amitié. Ne manquez surtout pas de nous revenir pour une nouvelle et palpitante aventure de Robin et Stella.